Messieurs, dames, bonjour! Comment ça va? Introduction un peu calme. J'espère que ça va bien. On se retrouve. Ah, la dynamo, elle est là! Je pensais qu'on la verrait un peu plus haut, juste ici. Il va me falloir un peu plus de support. Hein. Là, c'est des efforts, mais c'est pas encore ça. Hein, des encouragements du conseil de classe. On va la mettre à côté, d'accord? Bon, j'espère que vous allez tous bien. En ce beau mercredi 1er décembre, ça y est, c'est l'arrivée de l'hiver, l'arrivée de Noël! Pour ceux qui y croient encore. Je suis très content de streamer aujourd'hui pour reprendre ce petit jeu, cette petite merveille de sable. On va chiller ensemble quelques heures, peut-être plutôt 2 heures. Parce que quand même, il faut aller travailler après. Et voilà, trêve de blabla et passons directement au live vidéoludique. Exceptionnel. Alors, si tout marche bien, je me suis rétréci. Alors, cette phrase n'est pas à sortir de son contexte, je vous en conjure. Reprenons la partie sur laquelle nous étions. Oh! C'est beau, hein? Ça me plaît toujours. Ça me plaît toujours. Alors, nous nous étions quittés sur le début de l'exploration de ce vaste désert avec ce petit d'ailleurs cadavre, tu te souviens? Et nous avions trouvé une chemise du machiniste qui est juste un vêtement qui ne nous donnait pas grand-chose d'autre, pas de pouvoir, pas de compétences, ni rien, mais peut-être qu'il nous servira plus tard. Et si on regarde, est-ce qu'on a des quêtes? Ah! I should speak to Utari. Oui, that's the machinist. Okay. Donc il faut que je parle à Utari, un machiniste qui se trouve à la Burn Oak Station. Et sinon, il faut que je récupère plusieurs masques. C'est essentiellement ma quête. Et au niveau de la carte, on est là. Bon, tout ça, on avait vu puisque c'était là le point de départ. Donc il suffit bah, tout simplement d'explorer. C'est parti. On avait fait cette tour là, cette tour du vent. Et ça, c'est Simoon.
notre fidèle destrier. Bah, c'est parti, allez, c'est parti. Ouais, tu vois. Waouh. Alors là-bas, il y a des arbres. Enfin, des arbres. Du moins, ce qu'il en reste. Ça fait toujours très drôle de se replonger dans cette direction artistique qui est très dépaysante, je trouve. Mais c'est très agréable. Ça va les FPS, tout ça, c'est bon? Waouh, oh là là. Attendez, il y a un truc là, non? C'est un arbre. On dirait qu'il y a des choses au haut de la colline là. Oh, il le vend dans les arbres! Mais non. On va s'aventurer un peu. Oula, d'accord, il y a du vent. Petite tempête peut-être. Je n'ai pas l'air de prendre des dégâts. Ça fait saturer mon son, on dirait, c'est rigolo. J'espère que c'est pas saturé pour vous, en tout cas. Il n'a pas l'air de se passer grand chose ici. À part le fait qu'on est saturé. J'ai bien envie d'essayer de monter sur la colline qu'on voit là-bas. Ah! On dirait que c'était un effet. Ou alors, soit c'est la zone qui bug. Ça, c'est un effet voulu. Pardon. Pardon pour ce mouvement de caméra un peu aléatoire. J'essaye de la manipuler. Bon, on sait pas du tout où sont les Utari par contre. Non, on sait pas du tout. Ah, j'ai quitté le secteur, merde. Ah ouais. J'ai beaucoup de mal à me repérer. C'est quoi déjà mon... Ah oui, d'accord. Le nord est là. Ok. D'accord. Dis donc, les petits bugs graphiques là, on a vu, hein. On vous voit. Hein. On vous voit. Mais je pourrais pas monter en fait là-dessus. Ça va être compliqué. On va aller par là-bas. On va bien voir. Oui. Aïe! Pardon. Pardon, pardon. Non, je veux pas monter là-dessus. Là, le soleil se lève. Il est drôle ce bruit, non? Vous trouvez pas? Je trouve très étonnant. Parce que là, on est où? Mais on est où, là? Ah, là, je suis à la frontière du secteur. Après, je peux mettre des repères, hein, si je veux. On va peut-être mettre un repère là. Comme ça, on traverse. C'est parti! Ok, ok. Calme-toi. Alors. On va vers, du coup, bah... Parce que si le nord est là-bas... Ah non, on va vers le nord, on est bien d'accord. D'accord. La carte est orientée. Oh! C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Ah, il y a une... Mais j'en viens. Oui, oui, je... Je suis sérieusement en train d'aller là où je vis. Là d'où je viens. Mais c'est pas grave, c'est normal. On apprend. Ça, je l'ai fait, ça. Mais oui, oui. Avec les oiseaux et tout, ouais, je comprends. Ah non. Attendez, j'avais pas fait ça. Ah, pas du tout. Ok. Pardon. Nice. Ok, donc on est ailleurs, là. On est ailleurs. À Hercules Beetlenest. Let's go. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Ça a l'air grand. Ah, là-bas il y a des trucs. Une ancienne caravane. Elle a beaucoup mieux marché maintenant. Ah, c'est bien ça. Nice.
Je sais pas ce que vaut vraiment l'argent, mais je crois qu'on est plutôt pété de thunes. Ça me plaît. À défaut de l'être dans la réalité. Ok, il y a des oiseaux là-bas. On ira aussi sur la montagne là-bas. Elle m'intéresse. Ça m'intéresse. Bon bah, il y a des inspirations à BOTW assez flagrantes, même dans la musique et dans le gameplay, mais avec un parti pris un peu plus... Oh yes! Un chum egg. J'ai réussi à bien le dire cette fois. Incroyable ces petits œufs. Oh! On dirait que ça peut se casser, mais je n'ai pas de pouvoir de cassage. Je ne suis pas encore assez puissant. Attendez, mais j'ai mis quoi comme masque là? Ah, attendez. J'ai pas le bon masque. Attendez. Oui, je vais mettre mon masque là. Il est trop beau ce masque. Voilà! On est badass. Alors. Oh! C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Alors là... J'ai beaucoup de mots qui viennent dans la tête, mais je pense pas que... Il y en a un qui puisse définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, il y a clairement un puzzle jump avec les plantes là, non? Je pense. Et les oiseaux qui me regardent? Cassez-vous! Le piaf! Pardon. D'accord. Ok. Bon, on va essayer de faire le puzzle jump. Je suis très curieux de ça. Hein. Du coup, on peut s'arrêter là-dessus. Voilà, on tombe, on récupère. Je connais, j'ai déjà un peu joué à des jeux vidéo. Voilà. C'est très agréable en tout cas. Quand ça marche comme ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, allô? Attends, mais faut que je fasse quoi avec ça? Faut que je mette là-haut ou faut que je mette en bas? On peut sauter ou pas? On peut pas sauter avec ça. Mmh. Ah, mais toi, je pourrais pas monter. Non. Ah ah. Ok, ça passe ici. Ah non, ça passe pas. Merde. Ça en rythme avec la musique. Va me baisser là? Ah attends, par contre, je peux peut-être le throw. Il est tombé. Il est 100% tombé. Non! Là, il est 100% tombé là. Bon alors. Allez, fais ton truc. Voilà, attendez. Si je le mets là, ça fait quoi? Ça ne fait absolument rien, on est d'accord. Mais il s'éteint quand je le prends, quand je le laisse par terre. Est-ce qu'il nettoie le sable? Pas du tout. On va y arriver, on va trouver à quoi il sert. Voilà, viens là toi. Oui, mais encore. Ah ouais, mais je pourrais pas le monter. Attendez, je vais essayer de monter d'abord. Voir ce qu'il y a tout là-haut. Je vais pas avoir assez d'énergie. Alors peut-être. Il suffit d'y croire. Il suffit toujours d'y croire.
Là, je passe, sans problème. Allez, les piafs! Un autre! Ah! D'accord. Est-ce que je peux passer, genre? Bon, je vais me mettre en bas. C'est bon? C'est bon. Attendez, parce que j'aimerais bien être au-dessus, passer au-dessus. Voilà. Ok. Bon, là, c'est peut-être un peu haut. C'est un peu haut, David. Ah, oh, putain. Mais y'a rien. Ben voilà. Mais au moins, on a le cœur net. Alors. On a clairement vu tout ça. On a nos deux petites boulettes là. D'accord. Il ne se passe absolument rien. La musique, même la musique, elle me dit, il trouve pas. Ah! Ah, attendez! C'est un gros scarabée, ça! Wait. Attendez. I think I get the idea. Oscu! Ne te retourne jamais! Oula! Oula là, il y a des morts là! C'est des chenilles! Ah, c'est des larves! Est-ce que vous pensez que je peux descendre ou c'est dangereux? Ah. Hercules, lava, husk. Ok. Ok, ok. La musique toujours au top. Hein. Ça grouille, ça bouille. Ah, bon, où est-ce là? Oui. Oui. Ok, on peut prendre ça. Nice. Ça, c'est regardé. Ah mais il y a plein de chemins possibles. Il y a vraiment des gens qui sont morts par contre les gars là. Bah c'est pas dingue comme ambiance. C'est pas dingo. Ah il y a un bon coffre. Vous connaissez mon amour pour les coffres, n'est-ce pas? Ah, c'était de la thune. Bon, on a de la thune, c'est très bien. J'ai pas vu combien par contre. J'espère que ça va aller le coup, frère. Mettre la maman à l'abri, tu connais. Ah. Ah, quand ça grouille comme ça, là. Pas chaud. Pas chaud. Oh la vache, c'est horrible. De la montagne, on l'a fait. Toujours aussi impressionnant. Donc, on est d'accord qu'on allait là, on a fait le tuyau là. Ah, là, il y a un Shem Meg. Un Shem Hug, je sais plus. Un Shem Egg. Shem Egg. Et les petits trucs oranges là. Là, ça se prend ça ou pas? Non, c'est juste du lore.
C'est des cailloux quoi, hein, essentiellement. Yes! On voit un peu l'hommage, hein, mais ça me plaît. Bon, bah cette tour-là, c'est fait. On va continuer à avancer dans notre cap. Écoutez, ça nous a plutôt bien aidé. Oh, faut qu'on retrouve notre moto, notre Simoon! Oh, il y a un trou, là. Ah, mais si j'y vais, je me fais baiser 100%, non? Ah ouais, mais il y a un coffre. Bah ouais, les gars! Oh! C'est quoi, ça? Il y a un vieux cahier à côté de la tente. Je vais essayer de vous les traduire, comme ça c'est un peu plus fluide. Bah, bien sûr que je le lis. Après tout mon voyage et mes pérégrinations, mon chemin dans le nid est bloqué. Ce Hercule Beetles, ou je pense le gros scarabée qu'on a vu, bloque la route et refuse de bouger. Il a pas eu notre astuce. Je continue de passer les pages des notes. I am at wit's end. Alors là, je sais pas ce que ça veut dire. La créature dort et veut pas bouger. J'ai essayé d'attaquer la bête, mais sa carapace, dure comme du métal, elle m'ignore complètement. Il y a encore plus de notes. Il y a une plante étrange qui grandit au niveau de la tour, across the nest, donc à côté du nid. Et j'envisage de... Comment on dit? D'enquêter, merci. D'enquêter. The smell of beetle seems attracted to plants. Et oui, c'est vrai, vous souvenez-vous, les petits scarabées étaient attirés par les plantes, du coup la grosse par la grosse plante. Ça fait sens. Mais nous, on a déjà eu l'idée. Et elle regarde jusqu'à la fin. L'escalade était extrêmement troublante. Si seulement j'avais ma vieille gliding stone, la fameuse pierre qui nous permet de glisser. Néanmoins, j'ai réussi à le faire. Ah ouais, d'accord. Et après, il nous dit comment faire. En utilisant le fruit qui agite le scarabée. Et voilà. Ok. Bah en fait, ça nous donnait l'astuce. Bon, nous, on l'avait déjà. Parce qu'on est trop fort. Voilà. Officiel. C'est pas grave. Hey, on était garé là. Mais c'est parfait. Let's go. Allez, on s'arrache. Alors le bruit de distorce me perturbe beaucoup, j'avoue. J'ai l'impression que j'ai un truc qui bug ma carte son, et en fait c'est... Je crois que c'est juste l'appareil qui fait ce bruit là. Alors... Ah pardon, je vais aller dans le mauvais sens. Allez, mais comment je passe du coup? On va faire le tour. Un grand dead sur le... Hop là! Ça passe. It's okay. Attendez là, hop, ça passe ou pas ici? Ça passe deux fois. Là, on prend de la vitesse. Je prends de la vitesse! Non, pardon, ça me la frite, excusez-nous. Et du coup, le nord, c'est là-bas. J'ai du mal à me repérer, j'avoue. Bon, en même temps, dans un désert, c'est un peu complexe. Hein, je pense que tout le monde sait à quoi ressemble un désert, hein, déjà vécu quelques aventures dans le désert, je pense que voilà, il suffit. C'est un grand truc là-bas, là. Là-bas, là. Là-bas. On ira plus tard. Là, c'est le dirigeable, mais je crois que c'est le dirigeable de chez nous. Ah non, il n'y avait pas de dirigeable chez nous. C'est vrai, ça, il n'y avait pas de dirigeable chez nous. Bon bah attends, on va y aller. Hein. Ah là-bas il y a une tour. Attendez, je vais d'abord voir la tour. Attendez, vous pensez que je peux... Ah oui, mais attendez, mais j'ai un outil pour mettre un repère. Vous vous souvenez de ce que c'est? C'est triangle, je crois. Ah non, c'est comme ça l'appelle. Ah voilà, R1, d'accord. Ça arrive. Ah! Pas trop loin non plus, hein? Pip! Voilà, super. Et là, je vais mettre le repère sur la tour.
Il y a de la fumée là-bas aussi. Ça a l'air énorme ce qui se passe là-bas. Voilà! C'est parti! J'aime beaucoup ce genre d'exploration de ruines. D'un monde où il n'y a plus que des vestiges. Par contre, j'ai toujours pas compris qui on était et pourquoi toute cette civilisation a l'air extrêmement ravagée. C'est quoi ça? Un morceau. Il fait nuit. On va glisser? Non. Waouh, c'était juste. T'as vu cette poudre rose là qui va vers le ciel? C'est incroyable. L'événement est incroyable. Pour le coup, je suis. Ma caméra est plus colorée que le jeu. C'est juste pour vous donner en fait un petit indice sur ce qu'il faut regarder. Salut. C'est quoi? Mais t'es qui? Oh! Les chums! Souvenez-vous les chums! Et bah, là on doit être dans un repère de chums. Donc ça c'est un chum adulte. Bah salut frérot! On peut discuter? Il y a des portes. Hein. Salut mec! Alors, upon seeing the friendly among us chum, donc en voyant ce énorme chum holding up the remains of... Ah ouais, qui est en train de tenir les restes d'une ancienne tour de pierre, j'ai un peu peur, c'est normal, c'est un peu... Hein. Et avant que je reprenne mes esprits, j'entends une voix queenée dans ma tête. Ah, Queen Chum, c'est la queen, c'est la reine des chums, ok. Hey, hello Wanderer. Bonjour voyageur, qu'elle me dit. S'il te plaît, ne sois pas inquiète et ne sois pas effrayé. Alors le grand chum, Cox, il said, at me and cheers. Je ne comprends pas forcément tout, pardon, hein, parce que le vocabulaire est assez soutenu. Bien sûr qu'elle me parle. Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'un chum parle vraiment? J'exprime ma tentative de d'incrédulité par rapport à ce scénario. Oui, je te parle. autant que je suis capable de parler. Et tu es aussi capable d'entendre mes pensées. Mais je t'assure, je suis aussi réel que tu l'es. J'ai entendu que tu portes actuellement mes enfants. Mais c'est vrai, on a ses œufs. Va nous haga. Et on lui donne de l'argent ou quoi là? Je peux sentir les œufs squirming in my satchel, Azermansham. Ok, donc dès qu'elle a parlé des œufs, les œufs que j'avais sur moi se sont mis à se secouer. Je relaxe tranquillement, je me calme et je me rassure par l'absurdité de la situation. Personnellement, je ne peux jamais me rassurer de l'absurdité d'une situation. Ton nom est vieux et vaste, comme le désert. Bah oui, je m'appelle Sable, du con. Je bouge mes lèvres. les syllabes. Alors là, mec, il y a l'anglais, j'arrive pas vraiment. Et donc là, elle dit mon sable. Quel joli prénom. Je n'ai pas de nom comme ça, moi. Mais je suis la reine des chums. Tu peux m'appeler reine, chum, or chum queen, comme tu préfères. Et je fais une révérence très poliment. Bien sûr, c'est un honneur. C'est un honneur de vous rencontrer, la reine des chums. Bah oui, je m'amuse un peu, oui. La reine semble être surprise par mes formalités. Oh mon dieu, tu es si un humain si poli, un petit humain si poli. Why have you been here? C'est une chance de te voir ici.
Peut-être que tu peux nous aider. Ah, forcément, ça a un prix, frère. Ça a tout, la vie, tout est payant, frère. Nos œufs are scattered through the desert. Donc, se sont dispersés dans le désert. Mais j'ai besoin. Ah, ils ont besoin d'être plantés dans un endroit sûr. Ah, donc moi j'ai les œufs, donc je vais les planter. Ramène-les ici et je vais être capable de te donner des choses en faveur. Ah, ok, donc on a juste à ramener tous les œufs. Excusez-moi les modos, vous pouvez me report Cisquignon? Parce que là, il nous met du contenu sale, t'as vu? Hé frère, t'as cru tu pouvais mettre des choses comme ça, frère? Mais oui, c'est vrai qu'on dirait vraiment, vraiment un phallus. J'en conviens. Mais un phallus mignon, ou on dirait plutôt un axolote. Je sais pas si vous avez vu les axolotes. Taper sur internet les axolotes, c'est une petite créature bien mignonne. donc je vais pouvoir lui donner tous les chum eggs que je trouve. Ma réponse vient sans aucune hésitation avec un grand oui. Nah, j'ai mis des étoiles, t'es un frère. Faut pas que je me fasse virer, je stream pas souvent, donc bon, si je peux quand même éviter de me faire virer sur le peu de moments où je stream, ça m'arrangerait, tu vois. T'as capté. C'est quoi slug? Tu es un bien gentil slug, n'est-ce pas? Je pense que je vais t'aimer, Sable. Nice, la bite m'aime bien, j'allais dire. Super. Pour commencer, amène-moi 5 œufs. Combien j'en ai, moi? Ah, je les ai déjà, frère. Hey, y a même pas besoin de. Hey, y a des nanani, nanana. Je les ai déjà, frère. Ah, tu as été bien occupé. Déjà tant de gens réunis. Bravo, très excellent travail, Sable. Alors, la reine me félicite avec sa voix douce qui résonne dans ma tête. Quelle chance que tu aies pris un intérêt pour nous. Bah oui, vous êtes cool. Vous êtes des petits trucs qui volent. Moi, ça m'intéresse. Et en même temps, y a pas grand-chose d'autre à faire dans le jeu pour l'instant. Je ne vais pas vous mentir. Je me surprends en train de sourire à ces gentils copains. Tu es un rare spécimen à ton âge. Qu'est-ce qu'elle me donne? Une larme. Une larme de la reine des chums. Qui rentre en moi dans le plus grand des calmes. Ah, nice, chacal! Là, ça fait plaisir! Ça fait plaisir! En même temps, c'est mérité, frère! Le travail finit toujours par payer! Et bien maintenant, tu m'as mis un peu dans tous mes états. Bon, une chance pour toi, les larmes de chum. j'arrive pas à m'y faire. Les larmes de chum ramènent un grand pouvoir, d'accord? Mais je te suggère de garder cette information pour toi. Bah, en même temps, il n'y a personne dans le désert, frère. Si, si. J'acquiesce solennellement et je dirai rien. Allez, à toutes, Cisquignot. Merci d'être passé. Bon courage. Cet après-midi, c'est ton tour, frère. Les larmes se font ressentir comme un cadeau. Je me sens plus fort, plus résilient. Ah, peut-être que j'ai plus de vigueur. De stamina. Ramène-moi 15 eggs. Quoi? Ah, ça y est, c'est comme le fixe que ça. C'est comme là, je me fais racketter. Vas-y, vas-y, t'as donné 5. Vas-y, on prend 15, frère. On prend 15, frère. Et après 15, ça va être 50, frère. Et du coup, on les voit dans mon inventaire. Ah, là, j'en avais 6. Ok. Bah, d'accord. Bah d'accord, ok. Oui, d'accord. D'accord. Mais l'alarme, on l'a sur nous ou pas? Ah, oui, on l'a sur nous. On ne peut pas ouvrir les portes par contre. Non. Et je peux pas monter. Attendez, je vais essayer un truc. Ah! Il m'a balayé là!
Ah oui, j'ai de l'extra vigueur. Ok. Bon, c'est clairement Zelda, mais c'est un hommage. C'est un hommage, les gars. Mais trop cool en vrai. Non, non, mais ça va, ça va, ça va, ça va. Tranquille, tranquille, tranquille. Ma question, c'est est-ce que si je tombe sur lui. Ah, voilà. On peut marcher là. J'ai bien envie de voir le sommet de la tour en fait. Waouh. C'est beau. C'est beau. En vrai, ça, rien que pour ça valait le coup. Salut Nitram! Qui commence avec une insolence incroyable. Alors, messieurs, dames, j'ai une bonne nouvelle pour la Dynamo. C'est déjà qu'elle sera dans elle sera dans le fond très prochainement. Et elle sera réparée. J'ai trouvé la technique pour réparer. J'ai trouvé un petit produit magique. Ça arrive, ça arrive. Je pense que je la répare demain, genre. Mais Nitram, pour toi, voilà, hein? Allez, on arrête les bêtises, merci, on peut jouer si on est là pour le gaming. Non, non, elle va être réparée, promis, promis, promis. Je le sens, j'y crois à mort. Ça devrait le faire. Ah! Bah, j'ai bien fait de monter, il y a un put... Cuts. Une cache des 100 cuts. Qui était fait d'un, qui nous provient d'un métal recueilli venant d'un vaisseau pardon, qui s'est écrasé ici. Je vais essayer de vous traduire directement. Hein. Il y a des trous dedans dans laquelle une corde peut être glissée pour un meilleur transport. Ah oui, bah oui, on voit en effet que c'est des bouts de métal avec une corde, frère. C'est facile, frère. Et ça vaut 100 balles. Ah, et ça me l'a converti direct. Bon, bah 100 balles. 100 balles, je les prends. Oh, il y a un chum là-bas. Je prends de la hauteur un peu pour aller là-haut-dessus. Ça passe ou pas? Ça va être chaud. Bon, encore que je prenne de la hauteur. On peut monter? Ah, oui, on peut monter. Hop là. Monte, sable! Voilà. Oh, c'est beau par contre. Il va falloir screen ça, frère. Oh non, je glisse, je glisse, je glisse. Ça, c'est parti. M'en faut 15 de ces petites choses. 15, vous vous rendez compte? À moi! Merci! Ah, par contre, ça, ok. Ce que j'ai donné n'est pas oublié. Ah, donc en fait, il m'en faut pas. Ok, pas tant en fait. D'accord. Il y en a un juste là. Je fais un peu le tour. Ok. Ouais, c'est franchement un jeu extrêmement joli. C'est. En termes d'en. D'enrichissement de l'univers, je le trouve très minimaliste. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais par contre, ce qu'il y a est très joli. Ça, c'est sûr. Allez, on y va. On va voir le dirigeable là-bas, là. Peut-être que mon compteur de chaque mug sera à 15, je pourrais le ramener. C'est parti! Est-ce que mon repère ça s'enlève par contre? Oui, je crois que mon repère s'enlève quand j'y vais. Ça serait bien en tout cas. On verra. Si vous voyez des shake mugs, vous dites. Non, des chum eggs. La dyslexie, Simon, c'est violent. When you're not riding, your bike will appear as a blue icon. Oui, d'accord. Mais là, je suis en train de rider, mec. Tu me gênes en fait. Oui, d'accord. En plus, j'ai l'impression que c'est un jeu extrêmement accessible. Bon, faut lire quand même. Faut lire et je trouve que l'anglais est ultra soutenu. Mais je me disais, est-ce que ça peut être un jeu pour enfants? Hé, hey, attends, il y a un truc rouge là-bas, là.
C'est quoi ce bruit? Bah. Il y a un bruit de casse là. Mais ça là, c'est intéressant ça là. Alors attends. Attends une seconde. Bon, en même temps, on peut difficilement le louper, mais je vais quand même un repère. Un vaisseau, tout simplement. Alors là, je pensais que c'était une ville en dessous du dirigeable, mais pas du tout. Il va pouvoir me donner une carte. Ce sont des géographes, ces gens-là. Par contre, comment je vais réussir à monter? Je pense qu'il faut tricher un peu. Hop là. Ouais, pour monter par étapes, je pense. Hop là. Là sur la map on est où? Ah oui. Ah ça pourrait être bien qu'ils nous mettent un petit coup de discovery. Apparemment ça coûte de l'argent, c'est vrai. C'est vrai ça. Faut que je gère mon rythme parce qu'en fait la bulle elle les protège mais du coup elle ne me permet pas d'accéder. Et comme je redescends après. Faire attention à ça. Ah, il est là, il est là. Est-ce que c'est le même que la dernière fois? C'est pas ça. Donc là, faut que je lâche pour pouvoir monter. Cartographer's balloon! Ça passe, ça passe. Ah, le bruit du vent quand même. C'est pas le même! Enfin, je crois pas. Salut, mec! Je salue le cartographeur de façon un peu timide. Un peu. Covered by all. How long? Un peu gêné par la façon dont nous sommes tout seuls, tous les deux là-haut. Et comment, de façon intime, je me retrouve dans mon chemin de glissement. Pardon pour l'anglais un peu détruit, mais bon. Il répond. Ah, shit, alors, elle répond. Avec un son qui sonne le grand sourire. Tant mieux. Salut, Glider! Merci pour prendre le. Merci d'avoir pris le temps de monter jusqu'en haut. Faire de la cartographie me fait sentir un peu seul, tu sais. Je lui dis que je sais ce que ça veut dire d'être seul. Ah oui. Given how lonely I can get. Lui expliquant comment je peux me sentir seul en étant dans le désert. Et j'espère que Simoon, notre vaisseau, n'entend pas. Alors, de quoi tu as besoin? Bah, je vais acheter. Je vais acheter une map! Bien sûr! C'est 50 balles? Hein? Alors, on peut acheter la carte qui va me donner la Ibexi. Ok, 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 ok. Et je vais aussi pouvoir gagner ça. Quite a journey to get them, but the view. Bon, on va acheter les deux. Les 100 balles perdues d'un coup. Bam! Merci Glider! Goodbye! Attends, mais il y a d'autres choses peut-être. Qu'est-ce qui vaut le coup d'être vu ici? Je lui demande s'il y a des choses intéressantes à regarder. Et elle rigole. Bien sûr! Tu penses que je suis là pour rien, mon gars? Est-ce que tu as pris le temps de regarder la Wind Tower? Ça, on l'a fait. C'est bon, c'est bon. La Burn Oak Station is close by as well. On l'a pas fait la Burn Oak Station, si? Ah si! Si, on l'a fait ça! Tu devineras jamais pourquoi on l'a appelé comme ça. J'essaie de réfléchir, mais continue de parler. Et si tu es fan de ça, on l'a vu là. Le nid de l'insecte. De quoi on la voit d'ici? Ah oui, là-bas, la Burn Oak Station, là-bas! Ah, c'est celle-là? Ah, c'est vrai qu'on la voit. Eh, hey, mais en fait, on l'a pas du tout fait.
Attends, ça me parle. Pourquoi ça me parle? Non, c'est bon. Il y a quoi comme autre région? Content que tu aies posé la question. Si tu vas vers le sud, tu vas voir The Sand of the Wash. Et si tu vas à l'ouest, tu vas trouver Red Sea et sa myriade de secrets. Et à l'est, The Salt Plains of the West. Donc il y a The Wash et The West. Ok. Non, c'est bon, merci. Merci, mec. Enfin, meuf. C'est un peu hétérocentré, là. Ma réaction au jeu. Donc là, vous êtes en train de dire que ça, on l'a pas fait, ça. Bah ouais, on l'a pas fait du tout. À moins que je vienne de là. Attendez. J'ai un doute. Moi, je suis où, moi? Je suis là. Ah mais oui, non, mais si, j'en viens. Ah non. Pas compris, là. Ah bah non. Ah non, j'en viens pas du tout. Ok, cool. Bon, on a des choses à faire. Mais, alors, c'est quand même drôle qu'il m'ait parlé de tout ça sans m'avoir parlé du vaisseau qui est juste là, genre. Genre, en face. On peut pas escalader le dirigeable, dommage. Moi, je vais voir tout de suite le vaisseau. Simon, ramène-toi là, Simon. Surtout, te dépêche pas, mec. Hein. C'est mardi. Vous êtes fatigué. On ira voir la Bug Hawk Station juste après. Par contre, ça me laisse mes repères. Faut que j'enlève mes repères, par contre. Ça c'était quoi ça? Ah, ça c'était juste quand je. Ah oui, non, c'est bon, ça me les enlève. Info sûre. Bah merde, attends, par contre, je vais pas du tout dans le bon sens. Eh, hey, l'orientation, c'est un problème, hein. Voilà, bah. Nice. En tout cas, merci Nitram pour l'info. En effet, il y a clairement un truc que j'avais loupé là. On va aller voir ça tranquillement juste après. Oh! J'adore allumer ça. Bien sûr qu'on les fait tous. Très agréable. Très très satisfaisant comme bruit. Est-ce qu'il y en a d'autres après celui-là? Je savais qu'il y avait un truc. Je savais. Bon, attends. Ah, ça va se connecter. Wow. Ah, ça a sorti le temple carrément du sable. Énorme. J'ai débloqué le succès, le chat de l'aiguille. Le chasse de l'aiguille, pardon. Bah, allons voir. Ouais, clairement. Ça faisait clairement ça. Petit lancement comme ça de la Troisième Guerre mondiale. En même temps, quand tu vois la gueule du monde dans lequel on évolue, il y a peut-être eu ce genre de délire. Salut les gars. Alright. Qu'est-ce que c'est que ça? Icaric Ring, un ancien artefact. Ah, c'est tout. On n'a pas d'infos. Attendez, parce que ça, c'est du coup, ça va dans quel... C'est dans quel... c'est dans les quêtes, d'accord. Et donc, ça va nous aider un jour, c'est ça? Un étrange anneau circulaire. En même temps, un anneau, est-ce que ça peut être autre chose que circulaire? I retrieve from a shrine. Que j'ai retrouvé dans un temple qui était enterré.
C'est comme ça que Solo Leveling a commencé avec des statues dans une pièce ronde et un piédestal. Mais de ouf! De ouf, on a les rêves là, on a les rêves. Hein. Je peux ressentir la lumière qui émane hein, de Another Places. When I hold the light. C'est comme une clé. Ah, c'est une. Ok. Qui appartient à quelque part. Par contre, on dit d'ailleurs que c'est dans l'onglet. C'est pas dans l'onglet clé, c'est dans l'onglet quête. Sauf que j'ai pas de quête. Et ça, des restes de larves de Hercules Beetles, donc des petits scarabées, qui est extrêmement dur et un matériel extrêmement pratique pour créer quelque chose de rigide hein, en architecture. Hein. Bon, bah écoutez, ces choses-là vont nous servir. Tant mieux. Et ça, c'est une belle plateforme. Et on peut aller dedans. Yes. Mais on est d'accord, Nitram, ça ressemble pas mal à des choses là. Tant pis. On va. Il fallait peut-être que je choisisse si je voulais être voleur, guerrier ou magicien. Non, non, pardon, je confonds. Pardon. Bon, alors ça, c'est fait. On va aller voir le petit vaisseau maintenant. C'est quand même crash vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Waouh! Voilà, je comprends pourquoi le jeu s'appelle Glide. Enfin, le jeu s'appelle Glide. Pourquoi ce que je fais s'appelle Glide? On peut glisser sur le sable, les frères. Les rails. Alors. The Dune Boyne. Boyne. C'est Boyne là. Ok, la musique est un peu énigmatique, presque. Alors là, il y a des choses à mettre dedans, mais je l'ai vu le truc à mettre dedans. Il est là-haut. Ah, je ne peux pas escalader la paroi? Alors là. Il ne prend pas les voies conventionnelles. Ah ouais, je m'entraîne pour le speedrun. Attends, on peut monter là-dessus? Toute évidence, non. Qu'attendez, parce que là, il y a un truc que je suis pas compris du coup. Comment je vais faire pour arriver là? Ah voilà. Scrap metal. Scrap metal. Ouais, alors là, je travaille une petite run en fait, Nitram, pour mon prochain speedrun. C'est pour ça. Wow! Hop là! Ok, une autre porte. Ok. D'accord, une autre batterie à mettre. Plutôt facile à trouver. The Dune Boy. Y'a trop de choses à faire! C'est un donjon en fait. J'aime les donjons. Vivre dans un donjon. Ok, et là du coup, j'ai la sortie. D'accord. Donc le donjon est ouvert, c'est une bonne nouvelle. Ah, d'accord. Ok. Alors. Ah, il y a du scrap metal. Mario de métal. Ça, c'est une plateforme, ça ne sert pas à grand chose. On peut pas monter sur ces choses-là. Là, il y a encore un truc de batterie. Il faut encore trouver la batterie. Tu vas niquer la batterie! Je pense que je peux grimper là-dessus, non? Pas du tout. Oh! Il y a un chum egg! Énorme! Viens là toi! Ta reine a besoin de toi, petite créature! Hein. Merci. Est-ce qu'on peut essayer de monter là-dessus? Non, ça ne marche pas. D'accord. Ah, ben non, mais il y a des escaliers! Hashtag de fou! Alors. Ah, on peut choisir de mettre la batterie là ou la batterie là-bas. Il n'y en a qu'une, il faut faire le choix.
Bah, je fais le choix de la mettre là-bas. Là-bas, il y a un panneau de contrôle. Ok. Là, je mets Cinétis. Non, par contre, là, c'est encore une fois. Je me suis encore gouré de jeu, pardon. Yes. Ah non, il y a une vitre. Salut. Il y a une vitre. Ah, par contre, je peux accéder là-bas. Je m'entraîne pour mon speedrun. Scrap métal pour le Mario de métal. Wow. Ok. Ok, j'ai pu... pu créer une route, super. Il faut que je récupère la batterie. Ah, il y a une batterie là-haut. Ah, c'est bon, ok, ok, j'ai la voix. This is the way. This is the way. Oh! Je viens de créer un speedrun là. Incroyable! Je crois qu'on va aussi se marrer à le speedrun ce jeu, je pense. Sauf si on n'a pas du tout besoin d'aller dans ce donjon, dans ce cas, tout ce que je fais ne sert absolument à rien. Vite! Ah oui, mais du coup. Est-ce que ça ferme tout ou pas? Ah non. Bon, on peut faire ça. Bon, bah, c'était pas si dur. Ah bah oui, oui, je pense qu'il y a un gros speedrun incoming. Ça, c'est ce genre de petit jeu là. Agréable ou en plus j'ai regardé un peu les speedrunners. Alors en plus le speedrun normalement là actuellement, juste pour le any pourcent, il se fait en 14 minutes ou 18 minutes. Ouais, il y a un étage au dessus. Il y a un étage au dessus et il faudrait peut-être que j'essaie d'y aller avec la plateforme hein. Parce qu'il y a ça là-haut là. On va voir ce que ça donne là. Ouais, 14. Oh, il y a quelqu'un. Ouais, 14 minutes c'est ultra court. Apparemment, ouais, bah je pense que c'est assez rapide pour. Parce que la quête principale c'est de trouver un seul masque. Le masque, genre principal. Et après, il y a le speedrun pour avoir tous les masques. Et là, la run c'est 1h40 le record. Après, le speedrun, tous les masques, il n'y a que deux records. Enfin, il n'y a que deux participants. Et le streamer et le speedrun any pourcent, il y en a genre une vingtaine. Ouais, en plus, ouais, t'as raison. Pour un 100%, c'est pas énorme. J'espère que je pourrais revenir pour aller voir là-haut. Je pense que oui. Sinon, je reset la game. Hein, frère. Non, 1h40, je suis d'accord. C'est pas énorme pour un speedrun 100%. Bon alors, on va lui parler à cette personne. Je rencontre une étrange figure lumineuse. It greets me before I even have a chance to be frightened. Il me regarde juste avant même que j'ai le temps d'être effrayé. Nouvel utilisateur trouvé. Bonjour. Entrez votre username, s'il vous plaît. La figure me parle de ses guerres passées. T'es ouf, mais c'est trop drôle, tous ces petits refs. Je me surprends à chuchoter mon nom. Et je sens soudain quelque chose de bizarre dans ma bouche. Comme si c'était la première fois que je l'avais dit à voix haute. Bonjour, Sable. J'ai programmé un nouveau compte pour toi. Je demande mystérieusement. Attends, I ask the mysterious figure about themselves. Je demande ce que sont ces bizarres formes. Je suis un vaisseau simulé anthropomorphique registry. Alors là, pardon. Ah, c'est pas terminé. An informational nexus. Mais tu peux m'appeler ça. Ah, j'adore. Mais tu peux m'appeler ça, hein, c'est plus rapide. En effet, c'est un peu plus rapide. Sarah, qui sont du coup l'ensemble des initiales de toutes ces lettres. Incroyable. C'est incroyable, on est vraiment extrêmement intelligent dans cela. Je demande Sarah, qu'est-ce qu'il fout ici, bordel? Je ne suis pas vraiment sûr, Sable. La plupart de mes données sont corrompues. Je tente un accès au registre du vaisseau. Oh, 200 IQ. Sarah s'en va pour un petit moment. Je transfère les logs du vaisseau dans ton inbox. Tu as reçu un message non lu, Sable. Bah, unread messages. Bah, on va regarder. Here. Tiens.
Tu as... Are you unread messages? What? Je comprends pas. Recording 01. What? Le tableau blinks to life, ça veut dire qu'il se clignote. Et d'étranges marques et symboles se mettent à apparaître comme un ancien texte qui s'épelle et qui traverse l'écran. Comme un fond. En fait, c'est Matrix. Il y a une Matrix qui est. D'accord. Et puis, avec un étrange buzzling, bourdonnement, comme une vieille usine qui se met en route, il y a des voix. La première voix dit. Oh, il y a la BO. Within long range sensor, Captain. Ah, ok, non, on reprend un journal vocal. Avec un capteur longue distance, Captain. On est en train de récupérer des anomalies qu'on peut lire de l'atmosphère supérieure. Ça pourrait être une tempête de plasma. Mais la signature radiale ne marche pas. On maintient l'approche à la vitesse actuelle. Quel est notre temps... Je suis désolé de détruire la langue. Quelle est notre heure d'arrivée? 46 Earth Hour. Ok, 46 heures, heure terrestre. Give it a take. Apprendre ou à laisser. Ok. Alors on garde un œil sur ces énergies bizarres. Et get staring on it. Donc on met la figure bleue dessus. Pour essayer de repérer un pattern. Captain! On a besoin de purger le réacteur. Parce que si on le fait pas. Ah non, je sais. Je connais les risques, Ellis. Mais je ne suis pas. Je ne vais pas purger en plein milieu de l'espace. On a un protocole à suivre. Il y en a eu trois pour la même phrase, c'est ouf. Je cherche encore les personnages. L'enregistrement s'efface. Échoue. Par contre, là, les bruits continuent. Quelques boutons sont poussés du silence et l'écran de navigation. Mais je n'arrive pas à. I can't decipher anything. Il y a des mots que je ne connais absolument pas. Et là, je n'ai plus de message non lu. Bah, je l'archive. Ah, et un autre message. Ah, ok, et après on peut le relire. D'accord. Ok. Donc, ok, go back. Bah, goodbye. Je dis au revoir à Sarah. Ah, c'est fini? Ah, par contre, on a une nouvelle quête. Par contre, on a beaucoup trop de quêtes là. I should look for more of Siren Serena. Ok, bah on va essayer de monter alors. Pour avoir un peu plus d'infos. Pardon pour les accents et les traductions un peu foireuses. Hein. J'essaie. Parce qu'en fait, en ayant regardé la beauté de la dernière fois, je me suis dit que lire en anglais, c'est pas forcément intéressant. Parce qu'il y a quand même du vocabulaire assez technique. Donc si on peut essayer de le traduire, ça donne un truc un peu fluide. Mais c'est un métier de traduire. Et ce n'est malheureusement pas le mien. Mais on va s'entraîner, promis. On va essayer d'être un peu plus fluide à terme. En plus, je trouve que l'anglais, là, dans le jeu, est assez complexe. C'est pas l'anglais bateau qu'on connaît. Alors, on va essayer de remettre le cours dans l'hélice, histoire de monter, là, et de choper ça. Mais oui! Ou alors, je suis vraiment une merde et j'ai pas vu qu'il était traduit. Attendez. Paramètres. Display. Control. System. Credits. Control. Non, il n'y a pas de langue. J'avais regardé de toute façon, je crois. Ah, c'est dommage. Mais peut-être plus tard. Hein. Peut-être plus tard, parce que le jeu est sorti en septembre dernier, finalement. Reste accessible, mais c'est... Ah, il y a un petit niveau technique. Mais oui, ça reste accessible de ouf. Puis, il n'y a pas beaucoup de texte. Enfin, si. D'une certaine façon, si, mais ça va, je trouve. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, cool, 100 balles! Allez! Super. Et ça, c'est quoi, ça? Scrap métal. Pour le Mario de métal. Ok, donc en gros, là, on a... Il considère qu'on a fini ici, du coup. Qu'on a fait là-haut. Là-bas, il n'y avait pas grand-chose d'autre dans la salle de vaisseau.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la batterie là-bas, parce que si ça se trouve, on va devoir lui reparler à Sarah et au moins ça sera déjà fait. Parce que comme il n'y a plus rien à aller chercher là-haut, ça fait sens. Alors, est-ce que c'est plus rapide de jeter les trucs pour ensuite courir? Pas du tout. Je pensais qu'on jetait beaucoup plus loin. Mais il y a un peu une... Ça change là, le range que t'as en fonction de la lourdeur de l'objet. C'est extrêmement bien développé, hein. Bravo, hein. Bravo aux développeurs. Hein. Donc là, on est d'accord qu'il n'y avait rien d'autre à regarder. Non. D'accord. Allez! On se casse d'ici. Hop là! Là où on en vient? Est-ce qu'il peut nous aider à aller au-dessus encore? Non, hein. Non, j'avais déjà soufflé. Par contre, est-ce qu'il y a une autre entrée, vous pensez? Non, je crois pas. Je crois pas. On va quand même faire le tour. De ouf. Ah, mais voilà, moi je préchote. Vous pensez que c'est un slow run, mais non, c'est du training. Je pense que notre first try sera le world record, je pense. Est-ce qu'on peut pas escalader? Non, on peut. J'ai pas l'impression qu'on puisse escalader grand chose ici. Ah, attends! Ouais, c'était un truc là. Est-ce qu'il retombe quand je fais ça? Oui, il retombe. Oh yes! Hey hey hey! Ou alors on fera un run où il faut prendre tous les chum mecs de la map. Genre tous. Et pourquoi pas? Y'a rien au-dessus là, hein? Non. Non, on peut rien faire. Ok. Ok, bah c'est parti. Wouhou! On va aller à... Ouais, c'est vrai que ça ferait une catégorie de puce qui n'existe pas encore du coup. Est-ce qu'il n'y aurait pas un chum egg là-dedans, là? Dans le tuyau, là. Il y a un truc dans le tuyau, dans le tube, là. Ah non, je peux pas monter, en fait. Si, 100%. Je suis déçu. Je suis extrêmement déçu. Alors, on va à Burn Oak, right? Ok, bah let's go. C'est là-bas. Bam! Bam! Dès que j'ai de la hauteur comme ça, je regarde s'il n'y a pas des chum eggs. Mais il n'y a rien. Je vais devenir fou. Par contre, là, j'en vois déjà un là-haut. Là. Il y en a un là-haut sur la double montagne. Il est sympa cet arbre. Ah, au début, il y a des autres véhicules. Bon, ça va, on a compris que je sais glisser. Comment il se la pète? On va essayer d'aller le choper. On essaye ou pas? Let's go! Je l'aurai jamais. Je l'aurai jamais. En fait, il faut que j'essaie d'arriver. Waouh, ok. Peut-être que j'essaie d'arriver dans la rainure ici d'abord. Let's try that! Là, tu peux te reposer là après. Nice! C'est win. Merci d'avoir cru en moi. Ah, quoique. Non, c'est bon. Ah, c'est chaud! Oh, c'est chaud!
Wow, on the edge. C'était scripted. C'était scripted. On est déjà à 10. Plus que 5. Et là, non, je vais faire une entrée un peu triomphale. Comme as. Comment ça va, les losers? Salut! Ouh là là, mais il y a tellement de gens à qui parler! Allez, on y va! Salut! Ah bah! On ne peut pas lui parler, d'accord. Oh! Un scarabée! Bah, attendez, il y a trop de choses. On va voir si j'ai des messages. Pass back, Lagenek. GLaDOS. De ouf! Bonjour, Sable! Vous avez aucun message. Alors là, je suis extrêmement déçu. Presque vexé. On peut looter ça, non? Mais il est trop stylé là! On dirait vraiment les mecs dans Dune. Il s'appelle Nomadic Marchand Bobby. Une glisseur, ou moins glider. Bienvenue. Et viens voir mes richesses. Parlez-moi un peu de ce camp! Jeune marchand. C'est l'un des nombreux Beetleton Station autour de Maiden. Intitulé après l'incendie du vieil arbre qui est juste derrière. Je suis pas vraiment sûr de ce que est un oak. D'accord. Désolé hein, mais j'essaie de le traduire. Il y a pas mal de gens qui passent par ici. Ils veulent tous un peu leur... what a bother if you... Ils veulent tous un peu le détour pendant ton gliding, pendant ton journalisme. Pourquoi ma lumière a changé direct là? Oh, il y a eu un ananas. Il y a eu une balance des blancs automatique qui était assez forte. Bon, on voit, vous me voyez encore. Tout va bien. Never know what badges and masks you might pick up. Ok, donc en fait, si on va dans les camps, on peut toujours trouver des masques ou des badges. Tant mieux. Ça me plaît. Ne sois pas timide et parle avec les propriétaires des tentes. Interroge les machinistes et toutes les personnes autour. Il y a aussi les scrappers. Scrapper yards. Juste au-dessus. Below, c'est juste au-dessus? Non, oui, juste au-dessus. Just below. Under, oui. Je crois que c'est de là. The big one over there. Au-dessous. D'accord. Juste en dessous. Avec. Il y a un scrapper fainéant. Above, merci. Death from above. Mais oui. Merci. Above. Et below en dessous. Ok. Merci Nitram pour ces infos. Toujours sûres, toujours certaines. C'est agréable. Il y a un scrapper fainéant en bas. Qui va trouver du scraps. We will make fighting scraps worth your time. Ah oui, qui va pouvoir te donner de récompenses. Mais les scraps, on en a déjà en fait. On va pouvoir échanger, faire du business. Bonjour Eranos. Bonjour. Yes, dis donc. Et alors, je vais pas dire, mais vous avez un peu les mêmes vannes, Nitram et toi. Alors, ce que je disais précédemment dans le live, c'est que normalement la dynamo sera réparée demain. En attendant, demain promis, vous entendrez de nouveau le bruit de la dynamo. D'accord, je vois. Il y a une volonté de me nuire. Ok, je comprends, super, waouh, je suis comme Sardoche en fait, génial. Génial, ma vie c'est génial, ma commu c'est génial, on a la commu qu'on mérite, c'est super. Oh, ambiance hein, ambiance. Non mais je prends note et je la rechargerai pour vous une fois qu'elle sera réparée. Ne vous inquiétez pas, vous êtes pardonnés, mes petites dynamos. On se voit bientôt, bah merci Bobby. C'est un robot ça. Hey. Le garde, before me stands all. Et sa posture est pleine de devoirs. Et son équipement est un peu travaillé par les années.
Ah bonjour, ici jeune glisseur. J'ai... I'm nearly startled by the force of her greeting, but her voice is composing somehow. Ah, je me sens bien accueilli. Oh! Merci Uranus! Ça, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Un grand merci pour l'amour. C'est super sympa. Pour acheter la colle. Pour acheter la colle ou whatever. Vous voulez que je vous dise ce que ça va être ou pas? Pour a keter la colle. Oh you whatever je suis N-U-L en bricolage. En bricolage. Ah, les Français disent bucolique. Ah, that's so French. J'adore cette voix. Je suis nul en bricolage. Alors, ce que je vais acheter en fait, c'est ce qu'on appelle de l'idée forme. Parce que je bosse un peu à Laurent Merlin, donc je connais un peu, je touche ma bille. Oh! Pour acheter deux... Merci les gars, merci beaucoup. On va avoir trop de colle. On va avoir trop de colle, mais en même temps si je la recasse. Vivement le suivant. Merci infiniment. On va juste avoir la traduction là. Pour a keter to Cole's finalement. Finalement. Ouais, en gros, ça va être du plastique qu'on va pouvoir modeler comme de la pâte à modeler une fois qu'il sera chauffé à l'eau chaude. Et ensuite, on pourra le mettre dans la dynamo et refaire la pièce. C'est un peu une imprimante 3D du pauvre. Quand t'as pas l'imprimante 3D, mais que t'as tes doigts et des pouces opposables, tu peux faire de grandes choses finalement. Et pour 4,90€ seulement, vous avez votre idée forme et vous pouvez réparer à peu près tous les objets de votre maison. Attention, c'est un indispensable de votre caisse à outils. Mais bon, on n'est pas là pour faire du business, on est là pour entertain. J'achète. Merci, merci. 4,90€, je vous laisse me faire des PayPal et je vous les envoie bien sûr, moyennant les frais de port. Voilà, c'est le business. C'est pas moi qui fais les règles. Ok les gars, on est reparti pour jouer, ouais. Je le salue avec un enthousiasme accidentel. Et of a traveler finding a friend. Ah, en pensant trouver un ami, comme si j'avais trouvé un ami. Bah, il est vraiment seul, Sable. Hein. Elle sourit derrière le masque, je pense. Elle s'appelle Guard Elizabeth. C'est toujours un plaisir de rencontrer des compagnons aventuriers. Surtout en ce moment. Comment ça se passe? J'ai envie de dire les trois. Les trois fonctionnent. Les trois fonctionnent. Le monde est grand et je me sens vraiment tout petit. Hein, tu le dis comme si c'était une mauvaise chose. C'est une merveille, la taille de tout ça, non? Tu peux passer ta vie entière à errer. Hein? Et toujours fin, toujours trouver plein de choses à voir. Faring? Ah ouais, je connais pas le mot faring. Attendez. Apprenons ensemble, les amis. On va aller sur Word référence. Je pense que je devrais mettre la... En vrai, je devrais mettre la fenêtre ouverte parce que sinon on va pas arrêter. Hein. Alors, faring. Faring. What? C'est farine en anglais. Ah, merci Ranos, j'avais pas. Ah oui, ça se prononce a farine pour faire de gâteau. Je pense que c'est en lien avec phare. Et oui, parce qu'en même temps, phare, F-A-R-E, ça s'appelle le prix du ticket ou le prix de la course. Genre, c'est un prix. Ah, je pense pas que ça soit ça, donc je vais mettre juste phare du coup. Ah non, from the verb faring. What? Et juste phare? Loin d'eux. Ah! Loin d'eux. Bah oui, phare. Bah oui, je suis con, mais... Oh, mais enfin! Mais enfin, c'est bon! Mais oui, phare. Phare. Extrêmement loin. Grande distance. Donc, faring, en fait, ça doit être s'éloigner. Vous le voyez comme ça aussi? Et non pas la farine, Eranos. Attention à ça, hein. Le conseil de classe vous a déjà parlé de vos humours un peu bancal, hein. Attention, hein. C'est bientôt la fin du trimestre, il va falloir penser au conseil de classe. Hein. Un truc dans le genre. Ouais, je pense. Eh oui, Eranos, on en a déjà parlé. Hein. On passerait pas en cinquième comme ça. Alors, je pense à toutes les... Ball of fabric and smooth rock that I will make my next pillow and many to come. Donc, je pense plutôt à des choses qui vont permettre de bien dormir.
et ma nuque craque faintly. Pardon, mais des fois je suis juste laissé sur le côté par la langue ici là. C'est possible de, de le romantiser un petit peu quand même. Tu vois, je me prépare pour partir dans ma second gliding. Donc on peut le faire une deuxième fois. Je pensais que c'était un voyage initiatique qu'on ne faisait qu'une fois. Ah, je suis aussi confus que mon personnage. Je suppose que ce n'est pas vraiment un second gliding. Mais c'est comme ça que je le vois. C'est une chance de voir le monde encore. Et comment il a changé. I am an Anchoring Guard. Je suis un Anchoring Guard, tu vois. Ou j'étais plutôt un Anchoring Guard. Il y a 3 ans, j'ai pris ma retraite. You should have seen the way. T'aurais dû voir comment les autres me regardaient avant. Il y a un rire dans sa voix. Tous étaient si impressionnés de me voir partir. En me disant à quel point il manquait. La grande cité leur manquait. D'accord. Une partie d'entre eux se sentait même désolée pour moi. Comme si ça allait être le sens de ma vie. What would I do now that my life purpose is complete? Peux-tu imaginer ça? Alors j'essaye d'imaginer ça, mais je peux difficilement me picturer. Putain, mais l'anglais de ce truc! C'est insupportable! Et je secoue ma tête, voilà. Je vais me concentrer sur ce que je sais dire. Je secoue ma tête. Je remercie toutes les étranges condoléances. Mais demain marquera le premier temps depuis 10 ans où je vais me réveiller et avec aucune idée de ce qu'il y aura devant moi. C'est à peu près ça, c'est comme ça que je le traduirai. Et je n'ai jamais été aussi excité par ça. Tant mieux. Mais ne me prenez. Attends, comment? Don't get me wrong. Comment on peut le dire en anglais? Mais détrompez-vous ou ne vous méprenez pas. j'aime mon métier et j'aime même le son et le bruit. Et les problèmes des criards. Mais j'ai passé assez de temps de ma vie à juste errer là ici debout et à looking hard, à regarder. Ne vous méprenez pas, c'est ça. Merci. Maintenant il est temps d'explorer. Donc elle en a marre d'être la gardienne et maintenant elle part à l'aventure. Grand bien lui fasse. Her glee is infectious. Et je lui demande où est-ce qu'elle aimerait aller. Je pars vers les Badlands, je pense. Les mauvaises terres. Je veux voir The Bridge of the Betrayal, le pont des traîtres. Elle va prendre une flèche dans le genou 100%, mais tellement. Ça pue la flèche dans le genou, ça. Psst. Avant, j'étais comme vous. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Si tu n'as pas déjà fait, tu devrais définitivement aller voir là-bas. You will want the star. Ok. J'acquiesce et j'essaye de garder la direction qu'elle vient de me donner en tête. Et ah, elle me donne une carte. Génial. Peut-être que je te verrai là-bas. Une carte gratos. La carte gratos, merci. Bah c'est génial. Mais je vois pas trop ce qu'elle a rajouté en fait. Si ça. Ah non. Je sais pas ce qu'elle a rajouté, mais tant mieux. Super. Allez, parti. Elisabeth. Bon. Oh, le dortoir. On peut dormir? Apparemment, je suis fatigué. Mon personnage disait qu'il était très fatigué. C'est vrai. On pourrait refaire un petit Skyrim, hein. Mais j'ai tellement d'heures de jeu dessus. Je crois que je suis à 1500 heures. Sans compter le fait que j'ai la première version de Skyrim que j'ai faite, c'était sur PS3, où j'ai à peu près 400-500 heures. Et après, j'ai découvert les mods. Très mauvaise idée. Mais c'est drôle parce que j'y pensais hier, justement, je me disais putain, Skyrim, quand même, tu joues vraiment solo. Oh. Ah ouais, Pugila Only, ça pourrait être drôle. Ouais, mais est-ce qu'on n'a pas déjà tous assez vu Skyrim?
Ah, mais en même temps, c'est stylé quand même. C'est genre le jeu que on se lassera jamais. Un masterpiece. Mais pourquoi pas? Je prends note. J'en prends note. Parce que quand même, c'est ouf. Ça reste ouf, y a pas à dire. Et puis en vrai, on verra pas Elder Scrolls 6 avant longtemps, je pense. Hein. Bon! Bon! Vous avez vu ce qu'il bouge sa petite tête là? Eh, ça ressemble à l'homme mythe, non? Par contre, il me parle. Ah si. Attends, je suis bugué du coup. Je l'ai bugué. Bon. Mon Skyrim fait 10 gigas. 80 gigas de mode. Personne n'a vu mon Skyrim. Ah ouais, j'avoue. 80 gigas de mode. Ça doit être assez insane. Assez insane. Mais ne serait-ce en plus de redécouvrir le jeu avec tous les shaders mis à jour. Ça peut vraiment être une folie. Mais bon, ce qu'on est, voilà, on connaît tout ça. En tout cas, merci pour vos primes. Je revois les trucs qui s'affichent sur mon line-up. C'est beau. C'est beau comme commu. Merci infiniment. Mais oui, peut-être qu'on y pense. On y pensera. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Do you have any tasks that I need doing? Donc moi, je demande comme ça. Est-ce que je peux vous aider? Alors, je veux juste dormir. J'ai du mal à m'assimiler à mon personnage. Je suis désolé. avant que je puisse finir ma question, Ifakri. Lavaus! Pardon. J'essayais de mettre de l'immersion. Je répète les mots à elle, comme une clarification, et elle acquiesce. Lavaus! J'ai besoin de Lavaus. Qu'est-ce que tu sais des Beatles? Bah, c'était un super groupe de musique, ils ont écrit énormément de morceaux, je pense qu'ils ont influencé la pop comme le rock, comme le metal, même peut-être presque finalement un peu le rap dans leur façon. Voilà ce que je sais un peu des Beatles, ils étaient quatre. Il y avait des mecs plutôt cool, des mecs qu'on a un peu moins aimés après. Il en reste que deux. Il y a Paul McCartney, c'est le mec qui a les pieds nus, et il y a Ringo Starr, le mec que personne connaît maintenant. Voilà. Et les restes, ils sont décédés, frère. A little bit, I'm a Beatles expert. Bah, j'en connais qu'un peu, je sais juste qu'ils aiment les plantes. Pieds nus, ouais. Alors, ouais, c'est un hommage. C'est un hommage, mais c'est vrai qu'Yannick Noah, c'est un peu le descendant de Paul McCartney, même musicalement, je trouve. Zaka Africa, c'est un peu le digne héritier de Help et de Yesterday. Hein. Donc, finalement. Go phrase philosophique. What? Je fais des phrases philosophiques? C'est vrai que j'aime beaucoup. Vous voulez une phrase philosophique? Je peux vous donner une phrase philosophique si vous voulez. À méditer, genre. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts ou pas? La dernière fois, le dernier choix. Ah! Ah oui, c'est vrai! C'est vrai. What is a Beatle, really? Mais qu'est-ce qu'un scarabée, vraiment? Mais attends, mais tu... Nitram, tu connaissais le jeu, en fait. Un bit of a philosopher, right? Tu es un petit philosophe, toi, hein? T'as tellement écrit le jeu. Elle a arrêté. Énorme. Bah ouais. Vous voulez la phrase maintenant? Vous voulez la phrase philosophique? Ok, je vous la dis. La connaissance du vrai est terrifiante, lorsque la vérité n'est d'aucun secours. Allez, on médite là-dessus, les enfants. Et nous, on enchaîne. Je vous la répète? La connaissance du vrai est terrifiante, lorsque la vérité n'est d'aucun secours. Allez, voilà. Vous avez 4 heures. Oui, or not to be, j'ai compris. Oui. Je vois, pas être Proust et tout ça, quoi. Ouais. Je vais être honnête avec toi. Je ne sais pas répondre à ça. Mais je ne dirais pas non à un peu d'aide pour avoir des larves. Leur coquille sèche. Ok, d'accord. Quand elles grandissent, ouais, elles laissent leur coquille sèche. Très bien. Et on a vu que nous, c'était un matériau assez intéressant à travailler. En tout cas, Nitram qui a écrit le jeu, l'anglais... Top niveau, hein. Au moins B1, je crois que t'as un niveau B1, frère. 16 chaises sèches. Pas mal.
Le type de, sur lequel je regarde. On est là, on est là! Hey Streamlab, salut toi! Il y a des choses, je savais même plus que j'avais paramétré. Coucou! Salut le petit bot. The type I'm looking for. Ok, donc il cherche les larves de Dercule Beats. Et tu n'as pas besoin d'aller très loin, il y a un nid juste à côté. Oui, mais on l'a déjà ça, on l'a déjà fait. Je lui dis que j'en ai déjà sur moi. Et j'ai un badge! Pokémon! Non, je mélange tout en ce moment, j'ai un problème de multigaming. Je lui donne du coup mes carapaces en échange contre un badge. Très bien. En fait, il y a plus de choses que tu peux faire pour moi. Tu peux prendre ces carapaces jusqu'à la ville Ekria et les délivrer à Haiyan. In the chipmakers, ok, dans le quartier ouvrier. Génial. Oh, trop cool les emotes Pokémon, trop stylé hein. Trop stylé hein. Est-ce que vous avez joué au dernier Pokémon sur Switch? Oh là là, il y a des Pokémon fans là. J'avoue que j'ai regardé beaucoup de lives sur le dernier Pokémon, mais en même temps, moi j'ai pas vraiment non plus envie de jouer à ça. Tu n'as pas de Switch hein? Moi j'avoue que c'est celle de ma meuf. Du coup, en plus je l'ai pas sortie. Du coup, je la sors pas parce que c'est pas vraiment la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Bouclier épée ou le remake? Le remake brillant. Le remake brillant là, dont tout le monde parle. Où la streamtosphère est dessus quoi. Pas encore. Mais tu vas jouer à Nitram? Tu vas jouer toi? Parce que. C'est vrai que c'est toujours grisant de voir des gens commencer un Pokémon. Il y a moyen. C'est toujours grisant, je trouve, mais par contre. Qu'est-ce que c'est chronophage? Je vois que des gens faire 500. Oui, oui, il y a Link. Il y a Link qui fait ça en ce moment. Les 99 lunes sur Mario Odyssey. Ah, la technique. Ok, t'as d'autres projets. Je comprends, Nitra. Et je respecte ça. Chacun ses quêtes. Et oui, il y a des gens qui font. Il y a Link notamment qui fait des resets juste pour avoir un Shiny. Et c'est une chance sur 4097, je crois. Et j'ai pas test Lost Ark, non. Je l'ai pas test. En fait, j'ai regardé des lives sur la bêta. J'avoue que j'étais encore sur New World à fond, à fond, à fond. Désolé. Par contre, j'ai aimé beaucoup de choses que j'ai vues. J'ai eu quelques inquiétudes sur l'univers, mais je pense vraiment que le jeu va valoir le coup à la sortie. Et j'avais pas aussi envie de payer la bêta fermée. Par contre, je vais le tester à sa sortie, c'est sûr. Waouh, 60 heures! Ah ouais, ah c'est propre, c'est propre. Et ça vous a plu alors? Oui, pour le starter, et en plus le starter est pas shiny lock. Ah oui, en plus. On t'attend de pied ferme, ça marche les gars. Bah en vrai à la sortie, c'est janvier, c'est ça? Janvier ou février 2022? Je sais ce que je joue comme classe, et vous m'y retrouverez. Ah c'est pas annoncé encore, c'est pas annoncé. C'est vraiment lourd. Ah, vous me donnez envie là. Je vais. Ça m'a bien plu la classe paladin. En mode support. Pas paladin tank, en mode. Paladin un peu qui support, qui fait pas trop de DPS, mais. Quête ses copains. J'aime bien aider mes copains. Tu l'as joué? Un bonheur, moi. Super. Super. Bah, ok, je pense que je ferai. Ah, le endgame est cool. Oh, ça, c'est vrai que c'est une chance par rapport à New World. C'est jouer à un jeu qui a déjà 3 ans d'existence dans d'autres continents et qui est juste. Reshape pour l'Occident avec tout le contenu endgame déjà prêt. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est nécessaire pour un MMORPG. Mais voilà, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est l'aspect exploration et instancié avec l'isométrique. Mais si vous me dites que le contenu est de qualité et que les combats sont dingues, apparemment le gameplay a l'air d'une fluidité et d'un plaisir absolu. Rien que le sound design m'a vraiment plu quand je regardais des trucs de bêta. J'avais pas la fluidité dans les mouvements, mais du coup j'imagine que ça doit l'être. Vous me hypez, on le fera. Je pense qu'il y aura du Lost Ark sur cette chaîne. C'est sûr. C'est sûr. Et puis on se fera des petites parties. Voilà, c'est le Mopurg, hein. C'est le principe d'un Mopurg. Alors, Ifa me demande s'il y a d'autres choses sur lesquelles elle peut m'aider. Bah non, apparemment non. Par contre, j'ai une nouvelle quête. Il faut que j'aille délivrer des choses. Les gens sont pas très bavards ici. Hein. Ils ont rendu ça vraiment pas mal. Et ceux qui aiment l'explo ont eu leur part avec les bateaux. Ah, mais oui, c'est vrai que tu peux explorer la mer. La mer. La mer. Ça me tente. Bah, vous me tentez bien, les gars.
Vous êtes de très bons ambassadeurs, en tout cas. Je vais regarder ça. J'ai hâte. Mais oui, je pense que la bêta avait beaucoup plu, en tout cas. Ah, il y a un saut. Hey, hey. Dans ta gueule! Pardon. Bon, ça m'intéresse, en tout cas. Pourquoi on peut prendre les sauts? Oh! Salut. Wow. Alors, la fermière Lia. Hey, le Philippin! Stylé le jeu. Bah écoute, oui, en effet. On le trouve plutôt stylé. Content que ça te plaise. Je viens tout simplement de cracher sur mon écran. Passe pour faire un petit coucou, bon courage à toi et bon stream. Bah merci infiniment le Philippin, c'est très gentil. Il envoie du love et de la bonne humeur, merci beaucoup. Merci beaucoup le Philippin. Par contre la chèvre fait de l'hyperventilation. Carrément. Elle est en train de décéder derrière. On la voit là. Elle va très mal, la chèvre va très mal. En même temps il fait très chaud. Bonne journée à toi en tout cas Philippin. Alors... Ça serait cool d'y croiser, le seul truc qu'on a fait ensemble c'est du Knockout City Sage. Ah. Mais je pense que oui, on pourra faire des belles activités ensemble dessus. Alors, la fermière. Oh, enchanté, Glider. La phrase, nous aussi on avait une chèvre, nous aussi. Monsieur, nous aussi on avait une chèvre, nous. What is that glass vial? Je sais pas ce que c'est. Et qu'est-ce qui se passe avec la statue? Qu'est-ce qui se passe avec la statue? Ah, tu l'as peut-être reconnue. Ah, c'est une flasque. Ok, merci. Merci pour votre aide, le vial. D'accord. La statue s'appelle Oana. C'est quoi une herder? Putain, on apprend notre anglais avec ce jeu. Hein. Je te l'ai dit puisque j'ai écrit le scénar. Ah ouais? Ok, bah si t'es si malin, c'est quoi herder? Ha! Gardien de troupeau! Ok! Gardien de troupeau. De plusieurs créatures. On dit qu'elle vient de The Whale. D'accord. Ouais, je le savais! Je le savais! Et Et qu'elle était une ancienne gardienne de troupeau, quoi. Tout simplement. Ok. Donc en fait, ça aide de mettre cette statue-là d'ancien gardienne de troupeau. Ça permet de garder les créatures. D'accord. Well met. Ah, elle conclut comme ça. Eh bah, nous aussi, on avait une chèvre avant. Ah, donc tu es familier avec leur tempérament. Je suppose que tu viens de Ibexi. Tu diras hello à Umar. Et Njadi pour moi. Ah oui, mais Umar, c'est le mec qui parlait pas. Ils se connaissent entre eux. Nice, ils ont été à la même école. Et du coup, c'est quoi une flasque de verre? On a eu un item. Wow. Oh, je fais ça. C'est une palette de couleurs pour ton overbike. Non! Inspiré par mon travail en tant que gardien de troupeau. Allez, prends-en. J'insiste. Je serais très très fier de te voir rider ton bike avec ces couleurs. Génial! Merci mec! See you around! Attends, du coup on a... Oh. Mais on va pouvoir changer la couleur? Est-ce qu'on va pouvoir avoir l'arc-en-ciel? Attendez, il faut que je vois ça tout de suite! My favorite fruit. The first thing I would ask. Cool. On va trouver nos fruits préférés. Waouh. Ah, le vaisseau il est bleu maintenant. Ou vert, en fonction de votre façon de voir les couleurs. Simoun, viens là. Viens là, Simoun. Ah oui, mais non, mais ça c'est dans un... Faut que j'aille voir un machiniste en fait. Je m'en rends compte. Ben oui. Faut que j'aille voir un machiniste. On le fera, c'est sûr, 100%. Ah! Un machiniste! Avec leur musique de machiniste! Boum! Pam!
On est les mécanos. Oh oh. Bon, après on pourrait commencer à rapper comme ça, mais on va peut-être pas le faire. T'es en retard. Bah pourquoi? Pour notre rendez-vous. You have to have come here soon. T'étais censé venir plus tôt. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Bah je demande le machiniste comment il me connaît. Je te connais pas encore. Je reste perplexe et j'attends de lui qu'il m'explique. Mais il semble attendre. Oh, il y a un malaise, on se regarde un peu en mode. I feel a hint of shame. As I remember times I have been late. Ok. Bah oui, mais en même temps, t'as fait plein de choses. On était en retard, mais parce qu'on a fait plein de trucs. Et j'efface mes doutes quand je me souviens que j'avais absolument aucune idée de qui est ce gars. On a trouvé notre ami Utari. Utari. Mon nom est Utari. Of immediate relevance to you is that I'm a friend of. Ok, je suis un ami de Ciseaux, mais ça on savait. Ça on savait. Je demande si Ciseaux l'avait alerté de mon arrivée imminente. Et peut-être que je peux la voir. Non. C'était ton overbike. Je l'ai entendu d'ici. Il y a des mois. Et j'ai senti la forme de sa voix. Je dis à Utari que c'était pas Simoon qu'il a entendu. For Season and I, parce qu'on l'a construit qu'il y a quelques jours. They wave their hands. Est-ce que Ciseaux t'a enseigné un petit peu la voix de ta machine? Les voix de tes machines sont éternelles, plus anciennes que leur forme. Je les entends. Je les ai toujours entendues. Et je pense que la tienne va me revisiter plus tard. Et nous voilà maintenant. Maintenant, parlons de pourquoi tu es venu. Quelque chose t'a stoppé. A stoppé The Wind Tower. Oui, mais on l'a réparé déjà, ça. J'arrête Utari tout de suite en lui expliquant que j'ai déjà réparé la Wind Tower. Et que... Ah oui, j'accoutise l'expression. J'aimerais bien voir l'expression de son visage. Quoi? Tu l'as déjà réparé? I rock back my ears and say yes. Ah ouais, très fier. Très fier, la meuf. Bah, pourquoi tu l'as pas dit, alors? Ah, tu vas pas te poser la question, il est insoutenable, Utari. Tu n'es pas en retard du tout. Tu es parfaitement à temps alors. Et je te dois une excuse. J'espère que tu l'accepteras. Bien sûr. J'insiste. Encore un badge. Un plaisir. Ok, donc je reçois un badge. You may have been late in coming. Wow, encore une belle phrase philosophique, les gars. T'étais peut-être en retard au rendez-vous, mais tu voilà exactement là où tu devrais être maintenant. Je donne ce badge pas seulement comme reconnaissance pour où tu as été et ce que tu as fait, mais en honneur à ce que tu peux être. C'est beau! That you may, if you choose so, become one of us. Ah oui, c'est vrai, mais en fait, ils sont un peu en mode on est cool pour que tu viennes chez nous, les machinistes. On vous a vu. Alors que les fermiers, ils s'en battent les couilles. Et tu verras peut-être le langage silencieux de Simoon et ses vastes connexions. The badge is but one. Et tu vas devoir en gagner d'autres. Oh. Tu vas devoir gagner d'autres badges, ok. If when you do, the castle will be chosen. Ok, donc en fait, il fallait 3 masques ou 3 badges pour avoir un masque. Je crois que c'est ça. Je remercie Utari pour ça et je lui dis que j'ai beaucoup de choses à penser. Et pour un moment seulement, j'entends une fine sonnerie à ma gauche. Mais attends, mais c'est. C'est Simoon qui me parle! Je t'ai entendu, hein! Alors. Est-ce qu'on peut assembler et un peu custom The Mask Caster Sheets? C'est un Mask Caster.
Mais c'est le endgame. Je ne sais pas si le Maskcaster est humain ou... Ah, il a des toutes petites mains. J'ai entendu des histoires à propos du Maskcaster. À propos des histoires de gliding, justement. Les gliders doivent collecter 3 badges. Et les donner au caster. Et après, il me donne le masque. Ça me semble plutôt honnête. I leave the mask, caster. Ok. Donc je pourrais finir le jeu ici, en fait, si je veux. D'accord. Pourquoi il y a autant de sauts partout? Ça me perturbe. On dirait qu'il y a des choses à faire. Waouh. Bah salut. Ah, Dust Firefly. Trop stylé. Extrêmement stylé. Hey! On l'avait pas vu lui. C'est parti. Ah, oula, 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 la caméra qui parfois se laisse aller. Yes, un jump hang. On passe à 11, ah, on passe à 12. Oh, on est bientôt. Hein. Ah, par contre, il y a ça du coup à les choper. Tout en douceur. Est-ce que le mécano, on peut rentrer ou pas dans son... Non. Non, d'accord. Ok, ok. Bah du coup, j'ai tout fait ici. Ah non, il y a là-bas. Ah, je pense qu'on va pouvoir dormir ici. Non ? Qu'est-ce qui se passe? C'est une prison, c'est clairement une prison. Salut. C'était un challenge de ne pas voir le Scrappers à travers le Romantic Lens. Oh, pardon, mais parfois je ne comprends pas du tout ce que je lis. Alors que je regarde My Gliding as a Child. Je me perçois. A Dust Convert Traveler, exploring strange forbidden places, finding strange forgotten things. A treasure hunter of all an arcane object. Et pourtant. Non. I cannot help but wave some thread of my fantasy into the reality of the world. Scrapper Altine. Salutations, Glider! Mon nom est Altin! Je lui fais une petite révérence. Tu vas trouver beaucoup de scrap metal là-bas. Oui, all the time. All the time! Good, good! Altin links back et se recule et regarde à la. Regarde dans sa prison, enfin sa petite ceiling là. Sentry. J'ai une tâche pour toi. If you're up for it, I'm up! Sa voix hésitante est un produit de sa gentle intimidation, but I stand up straight and casual enough to seem like I'm up for anything. Ok. Bon bah il veut du scrap de métal. Mais attends, il n'y a pas l'autre qui voulait. Ah non, c'est bon. Ok, ok. And you are there already. Ok. Glenny Howard, right? Oui. Attends, tu n'aurais pas le dire comme ça. Gliding est bizarre, hein. Tu as rien à faire, donc tu as tout à faire. C'est quelle philosophie ce jeu, quelle philosophie. Je me demande si certains ont déjà passé leur gliding juste à errer, à rien foutre. Might be easier, ça devrait être plus facile. Je ne sais pas si ça compte comme un gliding. Bah, enfin si, ça compte comme un gliding. Ça doit pas être plus facile. Est-ce que j'aimerais faire ça? Ah, allez, ça doit être plus facile, oui. Je plaisante sur le fait que ça devrait être plus facile de faire ça, du coup.
To find a big warm rock and stare up. Je vais juste s'asseoir sur un gros caillou et regarder l'infinité. Il est amusé. Et je peux ressentir une idée d'une sieste prolongée qui lui plaît. Mais moi, apparemment, il faut que je dorme là. Anyhow! La tâche. Voyons voir si tu peux comprendre celle-ci. C'est un peu complexe. I'm ready. Donc c'est la tâche la plus simple au monde, jeune homme. Je fais des MMORPG depuis que je suis tout petit. Je connais la quête d'aller chercher des choses et de lui ramener. Il se fout littéralement de ma gueule. C'est tout? What do you mean, Sato? That's scrapping. Ok. Bah ouais, let's go. Bon bah on sait qu'on doit lui donner. Il en faut combien, genre? Ça, c'est toutes les quêtes que j'ai accomplies. Et est-ce que j'ai du scrap métal sur moi, non? Là, j'en ai 8. Bah, j'en ai 8, frère. Tu veux pas mon scrap métal? Ah! 120 balles! Nice. Super! Et on peut pas aller derrière toi, là? Non. Il y a des choses quand même derrière toi, hein, qui sont intéressantes. Hein. Tant pis! Est-ce qu'on peut dormir quelque part? On dirait pas, hein. En gros, c'est la décharge ici. D'accord. Stylé en tout cas. Hey! Il y a quelqu'un là-bas. Notre interaction est quelque peu décevante. Tant pis. On enchaîne. Ah, c'est le fameux arbre. Y'a pas un truc au-dessus? On dirait pas. On dirait qu'il y a absolument rien sur cet arbre. Il y a une voix dans mon casque. Très étrange. Est-ce que quelqu'un me parle? Il y a une voix. Vous l'entendez la voix, non? Il y a une voix. C'est très bizarre. Là, je n'entends plus la voix. Il y a des trucs là-bas, énorme. Waouh! Incroyablement beau. Bon, j'ai des quêtes en pagaille. En même temps, c'est plus aller chercher des trucs en fait. Ah, il faut quand même que j'aille à Ekria. Ouais. Ok. Et là-bas, c'est quoi là-bas? Le champ d'éoliennes, là-bas, il y a un champ d'éoliennes là. Ça a l'air sympa en vrai. Y'a rien d'autre? Pas l'impression qu'il y ait grand chose d'autre. Là-bas, il y a le vaisseau qu'on a fait, le temple. Là-bas, il n'y a rien d'autre. Là, c'est le cartographeur qu'on a déjà vu. Là-bas, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Non, c'est bon. Et sur ma map, tout ça c'est fait. Et là, j'ai mis. Du coup, je suis là et j'ai mis un point là-bas. Non. Ah, le point que j'ai mis, il est là-bas? Ah ouais. Bah écoutez, on ira. 10h54. Je pense que ce sera la partie du prochain live. Messieurs, dames. En plus, cette musique bien chill, allez. C'est là-dessus qu'on va se dire au revoir. A tout de suite, les amis. Hop là, attendez, parce que...
Comme d'habitude, je perds ma souris. À tout de suite. Eh bien, bye Nitram. Merci à vous deux d'être passés. Merci à tous ceux qui sont venus faire un petit coucou et partager cette petite aventure très reposante. Promis, la dynamo sera réparée au prochain live. Je pense que le prochain live, ce sera lundi prochain. On continuera cette aventure ensemble. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous, restez comme vous êtes extrêmement géniaux, drôles. Et ça me tente bien de vous retrouver sur le Stark. J'ai hâte aussi d'une sortie, c'est bien de se réjouir d'une sortie prochaine. Vivement les dynamos réparés, promis. Je ferai peut-être même la réparation en live, histoire de vous montrer comment marche l'idéforme, parce que c'est aussi un peu mon métier et ma passion. Mes amis, passez une bonne fin de semaine. Profitez du décembre, profitez des décorations de Noël, si ça vous donne de la joie. Et sinon, profitez du jeu et du confort. Et prenez soin de vous surtout. C'est important. Des bisous et à très bientôt. C'était Amos Live. On se retrouve lundi prochain. Allez, ciao, ciao. Thank you.